Que ma cajou qui s'est passé médicaments si là yo. Normalement médicaments ça yo, c'est des médicaments qui expirent que nous même dans inspection nous tapons les jours là au niveau pharmacie. Donc les passer dans l'étage yo, nous obligé retirer. Puisque la loi du 15 juin 1956 fait nous droit à la protection de la consommation finale, nous nous c'est une nécessité pour nous pour que normalement médicaments ça nous pas quitter dans pharmacie. Et il y a des monde qui questionnent moi qui dit bon pour qui ça nous pas toi arrêter moi. Normalement, la loi dit nous que l'on a fait inspection, ça, nous arrivons dans la pharmacie, produit expiré. Une fois que vous expirez, il y a des sanctions à mon niveau. La loi a des mesures pour prendre à vous-même. Mais comme on connaît, nous vivons dans le pays côté que, en pile, le monde fait semblant de ne pas comprendre. Et l'on entre dans la pharmacie, il y a même dit nous que, il y a même pas de connaître le produit expiré, mais qui sale qu'a fait, comme et problème, non seulement à la consommation finale, et mais qui ça, la loi a fait comme punition. Donc nous-mêmes, puisque c'est des pharmacies que nous passons dans eux, qui des fois nous passons propriétaires, c'est des gens qui nous viennent dans eux, nous parlons avec eux et nous exigeons tous si propriétaires parlent, pour venir joindre nous pour nous parler avec eux, pour nous dire la prochaine fois, nous avons fait inspection, puisque chaque pharmacie nous passe, nous disons pas de bonnet, nous disons pas de aucun problème, l'État n'est pas là pour faire mon peur, l'État n'est pas là pour couvrir des gens, au contraire nous besoin, l'État que représentant ministère au niveau du département nord là. Mais nous parler avec eux tout nous dire la prochaine fois n'a fait inspection donc nous ta rentré dans une entreprise nous rentré dans l'étage en pharmacie nous jeune gens de produits expirés ça non seulement n'a ramassé et la loi ferme pharmacien et il a pas arrêté au mettre en prison normalement pour punir gens la loi Mandel là. Donc c'est dans contexte ça nous même n'a demandé à tout le monde tout pour que normalement qui gagne pharmacie pour regarder toute date yo gagne sous produit est-ce que date pas déjà arrivé est-ce que le pas périmé pour éviter détruire des vies éliminer des vies dans la société, surtout dans le département nord, côté nous-mêmes, et nous dirigé pour le ministère pour ça. Médicaments, c'est là, c'est dans qui zone exactement? Normalement, médicaments, nous prenons dans plusieurs pharmacies, mais c'est ça pour la ville. Donc, nous pouvons passer dans la cité. Et nous commençons l'inspection ça depuis environ 5 mois. Donc, nous sommes obligés de 5 mois, nous peut-être qu'il y a tout, nous avons tout le temps ça. Vous connaissez pour faire l'inspection, nous sommes obligés de faire donc, nous avons besoin de matériel roulant, des fois avec l'autre carburant qui gagne. Donc, nous n'avons pas de gaz pour mettre dans la machine. Nous sommes obligés de faire un retard dans le travail là. Et des fois, tout inspecteur, à cause des problèmes de gaz qui gagne, nous sommes dans la rue ensemble avec moi. Nous avons essayé de garder les pompiers, les gadgets, les checkers. Et mon capitaine de l'eau va permettre nous d'entrer dans le gaz. Oui, c'est important pour que, au même moment que le représentant de l'État, qui est ministre du Commerce, ou même on parler de plein tout de crise gaz. Qui ça passe exactement? Qui ça va nous pas résoudre le problème ça? Normalement, nous-mêmes, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas résoudre. Mais on connaît l'arrivée dans une situation côté que le volume de demande qui est supérieur à l'offre, il y a toujours des gens des problèmes qui présentent. Donc nous-mêmes, nous comptons toujours voulu à ce que pour que tout pompier qui a gaz là ouvre en même temps. Mais malheureusement, nous avons des gens qui ont dit nous, pompier qui a gaz, c'est méchanceté pour que vous fait. C'est méchanceté du directeur gaz qu'il ne faut pas ouvrir. Moi-même, quand je prends l'inspecteur, je prends de paix, je prends la police, et quelques fois, délégué par contre, là qu'on a avec moi, je n'ai pas de gaz. L'un arrive, nous avons pas de gaz. Eh bien, si pas de gaz, ça ne va pas prendre une provocation société. Donc, la loi parle là pour agir par provocation. Nous là pour nous chiter sur base de la loi, pour agir dans la loi Mandela. Là. Mais toujours, il y a gaz dans la rue. Quand est-ce que le gaz est sorti? Gaz qui est dans la rue, moi-même, je ne peux pas entrer dans le bagage que moi-même, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas connaître. Il y a quelques propriétaires pour nous chiter ensemble avec eux, nous avons gardé qui s'engage pour nous améliorer le problème, pour nous améliorer la situation. Effectivement, il y a des gens qui ont de bonnes volontés pour gaz là, ils vendent normalement. Mais on ne peut pas prendre que tout, et on ne peut pas saisir dans tout, il y a des gaz à terre là. Je ne peux pas dire tout le monde, mais il y a dans le département noir. Ils sont dans le département voisin. Par exemple, nous connaissons le corridor nord. Le corridor nord, nous-mêmes, nous n'engageons pas nous, qui avons 5 départements là-dedans. Nous avons le plateau central, nous avons Artibonite, nous avons Nord-Est, nous avons Nord-Est et puis plus le Nord. Ça qui arrive, c'est le plateau central qui a le gaz là. Nous avons utilisé tout le monde possible pour rejoindre. Donc là, aujourd'hui, nous-mêmes, quelquefois, nous avons mis avec la police qui représente le ministère pour que normalement, nous allons passer dans la rue, nous faire en sorte que nous déblions. Mais on pourrait le saisir, ouais, prendons, passer dans la rue, on prend le gaz là, et puis on retourne le gaz pire. Donc ça m'a dit qu'on travaille en permanence.
quelquefois là nous camper nous dans la permanence et puis c'est là on va recevoir un coup de fil le fait que la police trouve qu'on est effectif qui t'a supposé gagner pas gagner et puis là ça gon l'autre problème faut que la police tout gérer l'autre problème là et c'est pour ça jusqu'à maintenant nous pour qu'on cadre nous quand améliorer problème gaz qui gagne comment commissaire gouvernement accompagne ou dans sens ça bon normalement moi même et le m'a fait inspection étant que représentant ministère du commerce et industrie dans nord non pas seulement ouais accompagnement non seulement ministère et commissaire gouvernement ni la police parce que c'est plusieurs entités l'état c'est plusieurs institutions l'état qui supposé mettre tête ensemble pour nous travailler en permanence et en parfaite collaboration en étroite collaboration pour nous recommander résoudre problème là mais certaines fois moi même quand dans la rue avec la police. Donc normalement dès que dans la rue avec la police, il y a des côtés arrivés pour ta entrer par exemple non caille côté mon de stocker gaz là. Faut qu'il présent judiciaire parce que la loi pas bon droit mal entrer la caille mon mieux. En pleine rue, là nous gétant ouais c'est flagrant, normalement nous ca tout passer nous gaz nous ramasser. Mais puisque la caille mon non faut qu'on juge de pas accompagner. Donc ça fait quelquefois les dans instruction yo, on pas entrer la caille mon yo. Parce que si je la caille mon yo, yo quasi n'importe quoi bagaille parce que pas de présence sur un juge de paix qui peut dire bon, l'entre la caille mon mais qui sont des jeunes mais qui sont écrit comme rapport, le ça si mon en venir passer dans l'autre phase et puis pour juge de paix présenter ça qui gagne. Donc c'est dans ce sens moi même comme directeur départemental ministère du commerce, puisque la loi du 20 décembre 1946 dit que mais comment pour gaz avant, nous même nous pour mesure dans direction départementale là côté que nous sortis des communiqués à tout propriétaire pour gaz yo, à tout directeur pour gaz yo et nous sortis autorisation côté que c'est seulement direction départementale ministère du commerce qui vient de Balil. Il y a un monde qui a une institution, la ville dans la direction départementale là, n'a pas l'autorisation qui évalue la quantité de gaz qu'il a besoin de faire. Et ceci nous baille ça sans yon. Donc il est disponible pour tout le monde qui a besoin de faire. Et pendant qu'il est disponible pour tout le monde qui a une institution, et pour le monde par exemple qui a un moteur là, qui a besoin de faire un gaz, nous là pour nous baler tout le monde ça. Et il y a plusieurs monde qui viennent pour déjà. Mais pendant que nous avons dit tout nous pour nous baler l'autorisation, nous avons demandé à la police tout et à la justice pour beaucoup plus dynamique. Beaucoup plus présent dans la rue pour que normalement, même là nous pas dit éliminer votre clandestine ça qui gagne, mais au moins l'améliorer. Parce que la population souffre en pile pour ça. Et bien, plus la population souffre, moi-même comme représentant du ministère, je ne fais pas bien. Pour eux, ou même comme directeur, par exemple, nous sommes dans le bureau, nous sommes travail, et puis pendant que nous imaginons, oh directeur, mes amis, nous ne sommes pas capables de nous bouquer. Moi-même, ça fait mal. Donc, moi, je connais grand pile d'efforts qu'a fait au niveau de l'État central, c'est vrai, mais je demande pour l'État central. Plus présent avec nous plus moins impossible toujours pour nous pour éliminer votre candidat ça dans la rue cap gain cap vendre gaz surtout dans le département nord côté moi même m'a dirigé. Pour question médicaments expirés ou saisi jodia dans plusieurs pharmacies dans votre cap haïtien est-ce que possible ça lui même lui tout camper là ou bien continuer? Lui pas camper au contraire. Nous même pendant la fait pharmacie là dans agenda nous agenda de travail que nous gagnons même côté nous fini pharmacie nous pas aller dans des proposer alimentaire. Parce que nous plein en pile, pile l'huile qui expire, l'huile olive là, nous fréquenté en pile et acheté en pile. Et en pile boisson, tout le monde a consommé, boisson gazeuse. Nous disons que pile l'huile qui expire. Une fois que nous finissons dans la pharmacie, nous parlons dans le dépôt produits alimentaires. Et une fois que nous finissons dans le dépôt produits alimentaires, nous parlons dans le supermarché. C'est market, mini market qui gagne. Donc nous avons toujours fait, les jeunes continuent, les jeunes commencent à faire là. La police accompagne nous, juste de pas accompagner nous. Depuis le produit expiré ou bien la varier, nous avons tout pour mettre des machines dans la avec lui pour que normalement nous chita son jour bien déterminé. Côté qui a toujours une présence la presse, une présence journal et la police. Présent juge de paix, accompagné d'inspecteurs toujours avec nous dans la rue pour qu'il y ait un incinéré dans un lieu bien déterminé qui fait pour incinérer le produit qui va pour. Merci, directeur. Donc, c'est moi-même qui remercie nous et m'a demandé tout à la population tout pour nous aider à nous faire travailler là. Il y a des fois des produits qui expirent nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Il y a des fois nous avons une inspection pour gaz là, nous ne connaissons pas pour les dépôts qui gagnent. Mais nous demandé à la population tout, depuis qu'on côté à son produit qui expire, que c'est dans la direction à aller, à faire nous pas de ça pour que normalement, rapide, vite, inspecteur aller dans le dépôt ça pour aller garder le produit pour nous pouvoir en aller avec eux. Merci. Merci.